Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté ou après se voir nous fournir encore une fois entre la caillou. Nous portons pour nouvelles qui a dominé l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Aujourd'hui, c'est lundi 24 juin 2024. Bienvenue dans la première émission pour ce maintenant. Bienvenue dans la première émission pour aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous avons souhaité vous passer une excellente semaine en notre compagnie. Et n'a demandé wa commencer faites geste que toujours aimer faire quitter un like dans vidéo ça commenter partager des vidéos ça et plus passer 1000 likes quitter une ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable faire ça ça va aider chaîne là continuer piquer pour plus devant gros question qu'a posé depuis hier soir après rumeur qu'a couru c'est est-ce que toute bon vrai force multinationale la premier contingent policier kenyan yo a débarqué dans pays d'Haïti demain mardi 25 juin tout bon frais. Et bien on connaît les déjà ou sous channel vérité ou sous plateforme vérité ou sous fournigé et c'est là où on va avoir tout détail sous mission multinationale de soutien à la sécurité. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il a venu demain vrai demain mardi? Est-ce qu'il a privé dans le pays d'Haïti demain mardi? Qui ça capé fait? Qui ça va relayer exactement? Restez branché tout détail c'est prêt à l'heure comme ça. Pas oublier, mesdames, messieurs, ou même qui fait qu'atterrir sur channel ça, qui poko abonné, c'est mon port pour cliquer, qu'on y a la même sous s'abonner, puis activer petite cloche, notification, on s'appelle toujours rester connecté avec nous pour se voir. Une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va partir directement dans le développement d'information. Nous bâti. Yon force police kap sorti directement dans pays Kenya a quitté pays Kenya demain cap 25 juin pour mener mission qui soutenue par l'ONU qui destinée pour combattre violence gang yo dans pays d'Haïti. C'est ça que des sources gouvernementales policières fait connaître hier dimanche là, mesdames et messieurs, le Kenya qui était proposé pour y voyer environ 1 millier de policiers pour stabiliser pays d'Haïti. Bon côté quelques personnels cap voyé par plusieurs autres pays. Yon déploiement qui était confronté avec plusieurs recours en justice dans le pays ça qui trouvait en Afrique de l'Est. Président William Ruto, qui est président pays Kenya, qui est un partisan enthousiaste de mission ça, il était déclaré récemment que déploiement a été fait d'ici quelques semaines. Départ demain mardi de premier contingent policier kenyan yo. C'est une source dans le ministère de l'Intérieur dans le pays ça qui baille information ça sous couvert d'anonymat préparatif yo y a fait pour départ équipe là pour pays d'Haïti. Sous cela te déclaré tout nous déjà gagné deux équipes préparatoires qui déjà quitté pays Kenya. Depuis semaine qui sont passées à là, et il y a l'autre équipe qui quitte le pays Kenya déjà depuis avant-hier samedi, selon même sous ça. Cela veut dire, mesdames et messieurs, oui, capable de présence des troupes kenyanes dans le pays d'Haïti dès demain, puisque Jean nous capable constater la information fait quoi que gagné un groupe qui t'a quitté le pays Kenya depuis semaine qui sont passées à là, groupe ça. S'il part dans le pays d'Haïti déjà, il est presque arrivé. Et il y a un autre groupe qui quitte le pays Kenya depuis samedi. Ça veut dire, mesdames et messieurs, deux groupes ça qui sont des groupes préparatoires, soit dans le pays déjà, ou bien ils sont presque arrivé. Mais vraiment, contingent policier qui a déboulonné dans le pays d'Haïti, ils doivent commencer à arriver pendant fin semaine là, si ils n'ont pas gagné pièce empêchement, puisque nous connaissons que le pays ça qui trouvait lui en Afrique de l'Est, c'est une bonne distance, c'est un peu le temps dans l'avion avant d'atteindre le pays d'Haïti. Qui donc, mesdames et messieurs, Bandiomet, commencez à préparer le déploiement de force multinationale là, c'est pour la réalité dans le pays d'Haïti. Nous supposons avant le mois de juin fini là, mesdames et messieurs, et bien force là l'a déjà bien établi dans le pays. Nous avons que l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, côté que Barbecue a fait gros démarches pour les négocier. Mesdames et messieurs, semblait barbecue avec vivre ensemble, pas de jamais penser si déploiement force multinationale était capable de venir en réalité, et bien négo vraiment paniqué là, qu'on y a là, c'est en mode négociation, négo campé. Mais jusqu'à présent, pays a les plus ou moins confiants que gouvernement ça qui gagne en tête li, Gary Conille, li pata doué entrer dans logique ça, à négocier avec gang d'ailleurs, la police nationale a gagné du 109.
c'est pas France LB encore. France LB qui selon des révélations de Pierre Espérance que nous t'ai fait attendre dans émission hier là d'ailleurs, France LB qui était de connivence avec Gagnon. France LB selon Pierre Espérance, c'est lui-même qui était livré pénitencier national pour Gagnon t'écrasé. France LB était gain gros connexion avec Jimmy Cherizier, t'es gain de bonnes relations avec Vite l'homme qui donc l'a gagné un gros chef gang dans tête la police là pas jamais gagné solution avec un problème dans tout bon vrai. Est-ce que pour avoir une nouvelle dynamique qui va commencer là dans tête la police là puisque nous connaissons les forces multinationales là l'a venu en appui mais c'est la police nationale qui vraiment doit mener des opérations pour commencer nettoyer tout côté gagnant à l'ouvrir pour commencer par y payer y l'autre aspect sur le plan sécuritaire. N'a pas rappelé que mission ça, mesdames et messieurs, il était approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis en octobre qui s'est passé à là. Mais dans le pays Kenya, opération ça a suscité en pile critique et il y a même un tribunal qui est arrivé reporter déploiement pour janvier qui s'est passé à là. Un juge a estimé que le gouvernement kenyan n'a pas de autorité pour envoyer policiers à l'étranger sans autorisation spéciale. Le gouvernement a obtenu autorisation ça jour qui était 1er mars qui s'est passé à là, mais gagnon parti dans le pays Kenya qui a déposé un nouveau recours pour tenter de bloquer le processus là une autre fois encore. Plusieurs autres pays à part de Kenya ont même manifesté volonté, ils ont dit que y a participé dans mission pays ça c'est le Bénin, c'est Bahamas, c'est Bangladesh, c'est Barbade avec Tchad. Donc tout pays ça y a gagné soldats yo dans pays d'Haïti dans jour cap vini la yo mission ça que les États-Unis li très impliqué là-dedans même si les États-Unis pas gagné des troupes dans pays d'Haïti mais sur le plan logistique c'est 100% États-Unis, c'est 100% logistique américain cap assurer mission hein. Mission ça qui t'a doué épauler la police nationale pour lutter contre gang pour lutter contre terroristes dans Port-au-Prince avec dans l'autre zone dans pays. Organisation cap défendre droit monde qui relè Human Rights Watch li affirmé dans un communiqué qui publié dans fin mois de mai que mission ça li fait face avec un pile questionnement sur ça qui gien à voir avec respect droit monde mais tout sur ça qui gien à voir avec financement li gien l'autre organisation cap défendre droit monde qui accusé régulièrement police dans Kenya parce qu'ils ont toujours utilisé la force et ont utilisé exécution extrajudiciaire. Alors, il y a parlé de comportement police Kenya, la CAIO au Kenya. Nous voyons que force là pour même déployer organisation capable de défendre droit monde commencer à parler en pile. Vendredi qui s'est passé, il y a un ONG qui observait activité police Kenya qui était enquêté sur des accusations selon eux-mêmes. T'a gagné un jeune garçon 29 ans qui t'a mouru en babal policier dans Nairobi. À noter que Haïti, malgré nous que ensemble de organisations capables de défendre droit monde commencé à craponner force multinationale là, n'a pas rappelé que pays d'Haïti son pays qui a souffri depuis des dizaines d'années à cause d'un instabilité politique chronique et dans dernier année ça yo c'est un pays qui gangrené avec terroristes et nous connait qui j'ai traité terroristes tout partout dans le monde. Pour Prince journée jodia amis internautes pour tout le monde qui pas connaît li c'est à 80% li contrôlé par des gangs criminels par des terroristes et bien nek sa yo yo accusé ou bien yo fait en pile exaction, yo fait en pile bagaille qui drôle, yo fait en pile bagaille qui grave, yo touye, yo boule, yo violé, yo kidnappé, yo pillé population tout les confrontés à une grave crise humanitaire à cause bandi yo qui gen main yo sous yon bon parti dans pays qui bloqué toute route nationale yo qui empêchait moun avec bien circuler normalement même médicaments principal l'hôpital pays l'hôpital général li gagné là plusieurs semaines depuis li fermé li pas ka fonctionner. En tout cas c'est dans contexte ça que premier contingent kenyan yo pral déployer dans pays à nous espérer avant fin semaine ça capable gain présence force multinationale là effectivement dans Port-au-Prince. Suivant à présent d'autres points de l'actualité. Je vous retrouve tout de suite. Bien, il pas gain limite. Au contraire, gouvernement de transition a un boulevard devant lui.
li gen yon seri de facilité, peut-être yon gouvernement légitime élu pa gen. Pour qui ça? M'a prend la situation actuelle du conseil présidentiel et du premier ministre Garry Conille, pas gen parlement k'ap contrôlé yo. Alors yo gagnen on liberté d'action. Pas oublier que on gouvernement chaque action pour le mener, faut le gagne aval parlement, faut le font loi, faut le négocier loi, gen des fois parlement pas d'accord. Et ça qu'on prend en pile temps pour prendre on petite décision. M'a prend exemple loi organique de ministère. Mm-hmm. Bon, maintenant pour faire loi organique là, faut le voter dans le parlement. Les parlements pas voter loi organique là pour une raison pour l'autre. Ministère existait mais il est dysfonctionnel. Alors en général, on a fait transition depuis 1806 et grand pile réforme qui fait dans l'État sur le plan administratif, sur le plan structurel, c'est dans transition qu'il fait. Par exemple, gros chantier réforme l'État qui en marche depuis 2006, c'est pendant la transition qui était dirigée par le président Boniface Alexandre et Gérald Atotu, qui a un pile document valable qui oriente l'État, qui adressait problème fondamental l'État, malheureusement, fait document, yo se yon, mais rivé assurer yon l'autre aspect fondamental qui est la continuité de l'État, son l'autre démarche, parce que, comme on connaît, nous souffrions gros maladie politique qui est l'instabilité. Et c'est l'instabilité, justement, qui fait nous, notre gouvernement, transition actuellement. Donc ce qui fait que instabilité ça, maladie ça se route pour une chronique PMKP. Mais maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement gagne un gouvernement de transition, un boulevard de Vanny, il pas gagne parlement, il dit que en général gouvernement type de gouvernement ça est très prolifique et surtout sous Boniface Alexandre côté que tu un paquet lois qui étaient décrets lois qui étaient sortis. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de transition n'a pas un devoir de rendre compte, un devoir de reddition de compte? Oui, et en général, tout gouvernement a un devoir de reddition de compte. Mais fondamentalement, véritable habite là, ces populations, c'est ce résultat qui les doit chita. Capable de gagner des maladresses, capable de gagner même des violations. Bon, yo capable de responsabiliser moun ki fait là. Mais yo juge un gouvernement sous résultat et c'est pas résultat autorité yo di yo fait yo accompli dans discours, c'est ça peuple là constaté. Par exemple, yo n'a facilité gouvernement transition a gagné, c'est facilité pour le fond budget. Parce que on budget, le budget c'est principal instrument de politique publique là. Mais on budget très souvent faut négocier avec le parlement. Nous avons un phénomène côté gain député qui dit mettez tel corps pour faire tel projet bon la kayli gain des fois pris le projet ça gain doit pas prioritaire par rapport à objectif gouvernement obligé faire concession pour des raisons politiques mais il pas gain carcan ça je dis à pour fond budget que ce budget rectificatif que ce budget annuel là c'est pour elle seulement l'arbitrage du premier ministre. Parce que budget, son démarche, côté chaque ministère pour elle dire mes priorités, mes objectifs, dans le moment ça. Et le premier ministre, là, avec staff, il faut le faire arbitrage. Là, pour le dire, bon, on a mis tel comme là, plutôt, parce que nous voulons résoudre tel problème. Par exemple, le chantier de la sécurité. Mais chantier de sécurité, c'est bonne question aux armes seulement, non? Et bonne question, faire mon Kenyan vini, gain plus policiers dans la rue, il plus que ça. Son question qui lie tout avec la précarité. Alors là, on t'a parlé d'instabilité, mais gain trois questions qui m'a connu on a clore. C'est la question de la sécurité, la question de la précarité et la question de l'instabilité. C'est trois
ta capable dire maladie ça yo cap miner pays. Donc là on dit nous que étant donné que gouvernement a une belle avenue devant lui, cela veut dire que est-ce que haïtien yo aujourd'hui en la dans transition ça par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux, est-ce que ça veut dire que nous devons mettre bar la très haut pour forcer l'équipe qui sous plaçant bailler le plus de résultats possible? Est-ce qu'on voit le constat? L'autre haïtien, yo, on demande qui est haïtien. On parle d'haïtien qui, qui besoin d'aller mieux dans le mode de vie, yo, qui besoin de sécurité à tout, j'en saute dit là, mais qui besoin de travail, qui besoin à l'école, qui besoin de permettre que monde fonctionne, monde circule et autres. Est-ce qu'en ce sens-là, nous avons le plus d'exigences possible? On nous dit population. On a dit peuple là. Mon connaît peuple là, il y a un petit côté péjoratif. Oui. Il y a des gens qui prennent peuple là comme mâche-pied. Couche. Non, couche qui pi défavorisée. Mais peuple là, il englobe l'ensemble de citoyens, l'ensemble de monde, quelles que soient les conditions sociales. Mais l'autre dit population, bon, laisse ça, ou pas dans la discussion. Mais population en tout, ou capable de limiter la monde qui vivent sous territoire pays. On en réalité, pays d'Haïti, il faut tenir compte de monde qui vivent l'autre bord tout. Parce que il y a des monde qui vivent l'autre bord. C'est qui supporter monde qui vivent l'autre ici. Ils sont plus concernés par ce qui passe dans le pays. Parce que y a des gens qui ont fermé, j'ai fermé. Ils ont mari, ils ont madame, ils ont petit, ils ont frère, ils ont famille, ils ont amis. Depuis qu'on bagaille passe en Haïti, tête chaud. Et toute la journée, on transfert pour y faire. Il y a des fois, ils ne pas même capable de faire face à propre. Besoin personne puis soutenir mon en Haïti. Alors c'est ça que fait concept population on ti gens capable pas fin répondre pas de quelle population. Bon bref, entre peuple et population on a besoin d'un consensus pour adresser à haïtien. Maintenant les haïtien gen moun gen gouverneur gen gouvernant yo. Et là nous dans un contexte côté gon question fondamentale et c'est monsieur Préval l'Elta président en 1996 qui était soulevé question ça pour la première fois et qui demise la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est la question fondamentale. Et l'on a parlé de restauration de l'autorité. Que c'est question sécurité, c'est l'État qui vous garantit contrôle territoire. Que c'est pour mon circuler. Pour mener une activité, c'est l'État. Que pour sécurité bien moun, la vie moun, c'est l'État. Que c'est pour fonctionnement service public, l'hôpital général, l'université, l'école, c'est l'État. Eh bien, autorité l'État sont questions qui fondamentales. Et c'est autorité l'État. Mais moi, c'est l'inverse. J'aime d'abord aborder ça dernièrement avec un invité, question restaurer l'autorité de l'État. Nous avons quand même l'impression que c'est l'inverse. Plus de 20 ans après, le président René Préval a évoqué ça en campagne électorale. Nous avons l'impression que la situation est plus grave, parce que c'est jeudi, nous avons été entré à assassiner le président, la CAIO. C'est jeudi, on a observé qu'un groupe de monde qui a été au doux, on sait que y a l'autre pays sous, ou pas qu'à sortir. Et tout le monde devant barricade c'est avenir. Mais qui ça Haïti est devenu plusieurs années après que Paul ça été fini. Donc nous, au lieu de nous faire bac, situation autorité vient plus mal que le pas jamais. Est-ce que c'est une incompréhension ou bien toi pouvoir que nous gagnons ou bien est-ce que c'est démocratie qui est responsable? Non, c'est conséquence dégradation, dégénérescence et pays à sur tous les plans. C'est-à-dire, l'un parle de restauration de l'autorité de l'État. Maintenant, l'autorité, il faut ajouter dignité, toute dignité de l'État. Parce que, au moins, l'État presque dépendant, par exemple, nous sommes tant de forces étrangères viennent occuper les questions de sécurité dans le pays. Nous sommes fait 30 ans. C'était force ça, les ça tout nen qui a compté combien de missions passées en Haïti. Mais il y a une fonction régalienne de l'État, c'est contrôle du territoire et garantir sécurité citoyen, l'activité de l'État. L'État n'a pas quand même bail tête de sécurité. Le problème dit l'État. Bon, on va parler autorité dans l'État. Là, pour un président, et actuellement, il y a un pile ministère qui est obligé de déplacer ou bien
local ministère ça a abandonné, ministère pas travailler là-dedans, yo travailler dans chambre d'hôtel parce que pas de sécurité, l'État pas même capable tête de sécurité. Autorité l'État yo pas même capable bailler tête de sécurité. Son crise excessivement grave. Mm-hmm. Alors question restauration de autorité de l'État était une question fondamentale, c'est premier pas pour nous créer stabilité. Mm-hmm. Et pour nous arriver vers la prospérité. Parce qu'on n'est pas capable de faire rien marcher sans autorité. Métropole là, obligé de faire autorité. Que c'est direction générale là. Que c'est salle des nouvelles là. Mais, on va blague chaque monde a parlé de nouvelles, chaque monde vient parler, même si on a une belle voix. Mm-hmm. Ou après, on a une cacophonie. Mm-hmm. Pas, qui fait l'autorité, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la planification, ce sont les perspectives. Mais c'est ça qui dégrade dans le pays. Mm-hmm. Et c'est question ça qui mérite régler. Et pendant la transition, si que nous arrivons à restaurer l'autorité de l'État, c'est un gros pas vers la prospérité, vers la stabilité. Sauf que nous ne pouvons pas voir côté pour le passé pour lever la donne. Non, d'ailleurs, nous voyons que l'État aussi cesse d'être majestueux, alors que dans tout pays, c'est s'allier. Mais je dis à M. Paul, alors que il a tué policier, commissariat, attaquer une trentaine, attaquer ministère dans la rue, ministre, c'est dans la chambre d'hôtel qu'il y a de travail. Nous étions, nous regardons les Napton, nous avons dit qu'il n'y a pas arrivé pour venir mettre l'ordre pour nous dans des ordres. Pourquoi, à part quelques annonces, telles que le premier ministre a parlé de zéro tolérance, ou quelques grands membres dans CPT qui dit même bye. Mais nous pas capable courir accuser le premier ministre Garry Conille qui pas gagné longtemps depuis le retour dans le vient peut-être pays. Mais est-ce que je dis nous pas besoin des signaux clairs que l'autorité a pour le restaurer, l'autorité l'État pour le restaurer, nous prend route prospérité à. Est-ce que vous même voyez des signaux clairs déjà, M. Paul? Si vous êtes clair, nous t'avons évoqué. C'est ça que fait. C'est là que fait émission même. C'est parce que vous êtes clair, c'est parce que nous avons cherché un signal ça qui peut venir et qui doit venir. Mais là, nous avons parlé de l'État, il y a deux dimensions. Il y a les responsables de l'État, autorité, mais il y a les citoyens. Pas l'État sans citoyens, tout. Nous ne sommes pas capables de faire un pays côté gain responsable, mais pas gain monde qui d'accord gain responsabilité. Parce que tout le monde, tant que nous dans la radio, dans la télévision, là, nous avons responsabilité dans ce qu'on a dit. Mm-hmm. Nous n'avons pas qu'à dire n'importe qui parole. Pour respect pour la loi, respect dignité, nous, respect société, gain des mots pas qu'à utiliser, gain des. Il y a des leaders qui ne peuvent pas faire. Il y a des annonces qui ne peuvent pas faire. Qui fait, il ne faut pas mettre la question de restauration de l'autorité de l'État, la question de bonne marche société uniquement sur l'autorité. Parce que l'autorité doit avoir le premier signal. Là, d'ailleurs, c'est ça que fait l'État marche avec la loi. Les gens enfreignent la loi, ils poursuivent. Mais il faut gagner une campagne d'engagement citoyen. Parce que le pays n'a pas qu'à avancer sans citoyens. Qui senti yo concerné et chaque monde a pas agi dans champ paio que c'est monde qui dans champ sécurité que c'est monde qui professeur l'école ou bien un monde qui sont ingénieurs qui bat son caille qui respecte normes nan pour les catastrophes pour qu'elle a résisté qui fait on société c'est un tout et l'État gagne pour créer équilibre là et au-delà de l'État. Nous gagnons un noyau fondamental qui est la famille. Et là, si nous ne pas veiller sur qui j'ai famille à fonctionner, nous ne pouvons pas résoudre la question du bon fonctionnement de l'État. Moi-même, la plus grande autorité que j'ai dans la vie, c'est maman. Elle a dit que malgré le mourir, nous toujours songer, nous toujours un l'ombrage. Il y a des choses que je pas droit de faire. Mm-hmm. Qui fait premier chef police m'te gagné comme toujours gagné c'est moi-même qui fait m'pensais que excusez et jodi à question désengagement de la famille hein, son gros
question pour nous adresser. Adresser avec sens responsabilité. Parce que l'on monde font ti moun ou grand responsabilité, pas seulement pour prendre soin, mais pour orienter tout dans la vie. Sous la gueule, on a savon. Pas que ti moun qui était dans la rue tap sur machine. Nous pas voyons encore. Mm-hmm. Yo dit ma pile là de dans gang. Mm-hmm. Côté maman yo, côté papa yo. Mm-hmm. Alors yo dit tout que grand pile dans ti moun ça c'est en province que yo sorti. Il y a quelques rares qui ont une famille qui mal arrivé et puis ils ont trouvé dans la rue hein, à suivre machine et puis ils viennent une main d'œuvre facile et gratuite tout, une main d'œuvre fragile tout. Eh bien, le problème c'est l'engagement familial, la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'on timoune, pardon, les chita sous autorité par en ligne. Pendant l'enfance, pendant l'adolescence, jusqu'à ce que le rivier est capable de prendre chemin la vie. Hein? Ses parents qui veulent faire premier pas, yo, depuis le bébé, la, l'école, l'apprendre au métier, qui bat le principe pour lui agir comme citoyen. Parce que faut nous former moun, mais nous former citoyen. Et déficit de formation citoyenne, non? L'écouter nous cher. Ce n'est pas seulement Haïti qui a un problème. Ça. Mm-hmm. Mais son responsabilité de l'État, mais son responsabilité de société au niveau de la famille, mais pour qu'il soit l'État d'abord, il faut l'État veiller sur ça. Tout. Mm-hmm. Nous sommes capables de vivre et non. Par exemple, aux États-Unis, il y a des child support. Mm-hmm. L'on fait petit, on peut occuper lui, bon, on est capable de prendre n'importe qui sanction. Il y a force à occuper. Ils ont forcé à occuper. Mm-hmm. Et bien, nous sommes capables de vivre. On est fois petit pour occuper le même passeport, on ne peut pas faire. Ou on ne peut pas faire licence pour conduire une machine. Et les ça, on est obligé qu'on est. Pour faire attention à comment petit on fait. Mm-hmm. Et l'on fait petit tout pour responsabilité. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Parce que bagala pas chita seulement pour dire c'est gouvernement et puis et société à lui-même, tout pour a fait ça. Vous voulez. Ou on a gagné des autorités. Et là, on a un chef d'orchestre. Et puis chaque musicien a joué une note par eux, chef d'orchestre là, il va occuper. C'est ça qui va le passer. Mm-hmm. Parce que force société a une certaine cohésion qui a les sous des objectifs clairs, qui pays nous voulons, qui société nous voulons. Et ça, c'est un engagement de tout le monde, en commençant d'abord par les chefs, les responsables de famille. Monsieur Paul, longtemps, nous parlait d'autorité, tout le monde est chef. Ainsi, du temps de l'ancienne armée, il y a des bagages qui ne pas qu'on fait. Il y a des bagages que nous devons respecter, il y a des bagages que nous devons faire peur. Parce qu'on a un petit moment, un militaire qui a passé là, un garde qui a passé le Fouquet, et puis sans aucune forme de procès. Laissez pas battre. Par exemple, drapeau a monté, on parle passer devant caserne, ouais, mais c'est un dos pour camper, on connaît, faut qu'on campe. Mais la mécrasé, nous venons à la police nationale, y a tué les policiers, pas autant que tué militaire, même la mécrasé que nous avons là, c'est rarement entendu que type de bagage ça a privé. Est-ce que l'autorité qui dégradée, l'autorité de l'État qui dégradée, est-ce que ça pas commencer à aggraver avec la disparition de l'armée? Je dis que c'est une étape. Mais il y a des signes et bien avant qui commençaient dans la qualité d'éducation qui t'a dispensé, dans la qualité de discours qui t'a véhiculé même dans l'église. Et pas son société, son tout. Actuellement, si vous regardez la crise haïtienne, ce n'est pas seulement la crise des instances dirigeantes de l'État. Mais c'est crise tout palier société. Même les partis politiques, ils presque disparaître. Presque qu'on y a plus fort parti politique, ils caché des chiffres. 17 décembre, 30 janvier. Bon, mais moi-même, qui sont au monde qui a observé en plus ce qui a passé dans la politique, je ne sais pas qui est dans le 30 septembre, qui est dans le 20 septembre, tellement de dates. Vous comprenez? Et ou capable d'aller au niveau. Donc, vous ne pouvez pas. Parce que son date, son chiffre, 30 août,
parce qu'on y a pour 21 décembre. Parce que moi-même, l'homme de Timon, dès qu'on 17 octobre, l'homme de Saline, mm-hmm. dès qu'on est 1er janvier, c'est l'indépendance d'Haïti, qu'on y a une bonne date. Et date là, je l'ai dit, son bonne partie politique. Son appellation. Et maintenant, est... ou pas forcément qu'on est qui tendance, etc. Il y a tout ça. Au niveau de la société civile, on a pris le point les chambres de commerce, qui sont presque dysfonctionnelles. Ou pas attendre des prises de position sous ça qui a passé dans gens et société a fonctionné, chambre de commerce, qu'on ne prend position, même sur la question politique. Bon, mm-hmm. Bref, même il y a une institution qui paraît plus solide, la conférence épiscopale, l'église catholique, l'exprime très rarement, qui fait une déstabilisation presque totale de société. Elle n'a pas parlé de réforme de l'État, elle n'a pas parlé de l'État seulement. À travers le monde qui a dirigé le pays à plus haut niveau, oui, il y a une première responsabilité, mais tout l'autre palier dans la société, la qualité d'éducation a dispensé, l'école qui a fonctionné. Nous avons un ministère que le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Bon, pas grand qui dit au monde, prend deux pièces carrées, ils font l'église, et puis ils décident que l'église a fonctionné toute la nuit, ils font brûler, ils disent bon Dieu l'a servi. Mais servi bon Dieu, bon Dieu pas demandé pour empêcher l'autre monde dormir, ou il a fait le journal là, à 5h du matin. Pour il veut se reposer, il n'est pas capable. Reposer parce que monsieur lui-même l'a dit Alléluia, mais il a droit de dire Alléluia, mais il n'est pas obligé d'empêcher l'autre monde fonctionner. Tout. Qui fait, c'est tout ça qui autorité de l'État. Dans tout domaine, chaque monde a un sort qu'a fait, ou a un droit, ou a un devoir. Mm-hmm. Et la liberté n'est jamais totale. Mm-hmm. Toute liberté est conditionnelle. Mm-hmm. Si je dis, hein, par rapport à la situation qui est là, M. Paul, si vous avez joué un rôle quelconque dans la case de l'armée, est-ce que vous avez regretté, je dis hein? Moi-même, je suis un monde qui est institutionnel. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait la part des choses. C'est bon Dieu que bon grâce ça. Moi, je suis victime de certains chefs dans l'armée. Il a arrêté, il a battu, moi, bah, ok. Même pas jamais confondre l'institution militaire avec un monde qui te font dérive. Même gens, je dis, il y a un monde qui font dérive dans la police. Dans la police. Il y a un monde qui font dérive dans la métropole, qui dit, on ne peut pas dire. Mais rapidement, on a pu dresser lui, parce que ça, plus fort, ce n'est pas le monde qui fait des autres là, c'est l'institution. Qui fait nous-mêmes nous réagir avec émotion, des bons bagages passés, on police font bagages qui pas bon, on la gueule sous d'autres institutions que la police là. Et on va effacer dans l'armée, ou bien on va faire dans l'État, ils mettent la sous d'autres, tout l'État, qui fait une exagération. Moi-même, je n'ai pas d'accord avec l'agissement de certains monde dans l'armée, ou bien l'agissement de l'armée en général, même de respecter l'institution qui est de l'armée. Déjà, pays à base, c'est l'armée, et l'armée a une mission. C'est mission pour faire le rempli. C'est même bagarre avec la police. Là. Il y a un mauvais policier. Et même bagarre avec le gouvernement. Et même bagarre avec la presse. Là. C'est pas détruire pour détruire la presse. C'est Wally pour faire jouer. Et c'est ça, nous toujours pas respecter, nous pas comprendre, nous toujours aller à l'extrême. Nous n'entendons pas Wally là, nous pas remel, mais c'est radio à bureaucratie. Nous, nous sommes capables de corriger. Mm-hmm. Nous pensons que c'était une pigou et une défaite, c'était. Craser la mer et puis qu'on y a, nous pourrions demander l'autre la mer, venir faire travail la mer, t'as fait pour nous. Monsieur Paul, en retour d'un sous-gouvernement transition, missionné, objectif, li, il dit c'est mener le pays à l'élection. Il dit tout que faut que tu aies une révision constitutionnelle qui fait. Est-ce que vous pensez dans le délai que vous avez le pouvoir, ça, qui c'est 20 mois? Selon l'accord que vous avez signé, est-ce que vous pensez que nous avons mené le pays à l'élection? Oui, vous êtes capable de mener l'élection parce que vous n'avez pas quitté le pays à fonctionner dans la confusion. Tout. Et plus vous avez une autorité qui n'est pas légitime, ça veut dire autorité que ce n'est pas le peuple qui met, c'est plus une ambiance de confusion politique. Alors là, pour remettre le pays à sous rail démocratie, il faut organiser l'élection. Mais il faut nous créer conditions pour l'élection, pas créer crise. Parce que nous, en pile crise nous vivons, c'est qu'on conséquence mauvaise élection. C'est assurer nous créer conditions pour l'élection. En fait, bien, nous avons des outils tout, qui pour veiller l'organisation de l'élection. Dans le principal chantier nous avons dans le contexte, c'est la question de réforme constitution était une question fondamentale. C'est pas une question que nous sommes capables de négliger.
nous parler de conférence nationale. Faut nous mettre d'accord sur une vision à long terme de côté nous voulons mener pays. Une vision vers 2054 par exemple. Ça nous voulons pays aller en 2054. Et question restauration de l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État pour faire quoi? C'est pour atteindre un objectif. Objectif là, c'est renforcer le pays à sous plan économique. Objectif là, c'est empêcher que nous vivons ambiance d'instabilité, d'insécurité pour le pays à tout nos paria international. Mais tout ça, conférence nationale là, c'est pour impliquer les citoyens des forces organisées dans l'élaboration d'une vision à moyen et long terme. Alors, je pense que il y a trois choses pour nous garder, peut-être jusqu'à quatre. Il y a fondamentalement question sécuritaire, mais question sécuritaire sont éléments dans la restauration sécurité de l'État et restauration autorité de l'État, sécurité, doit mener nous vers la stabilité. Mais la stabilité a tout faut conditionner par une constitution capable de adapter à la réalité pays. Mais tout ça pas cap marcher sans une vision économique. C'est ça que fait après tourner sur trois mondes de commencement au commencement. Nous besoin créer stabilité. Pour nous créer stabilité, il faut nous combattre la précarité et pour nous accentuer vers la prospérité. Est-ce qu'on pensait que sanctions internationales ont été prises contre des personnalités politiques? Est-ce qu'on pensait que il n'y a pas d'effet sur l'élection que vous faites? Il n'y a pas d'effet seulement sur l'élection, il n'y a pas d'effet sur le pays en général. Parce que ce n'est pas sanctions le problème, non. C'est gens sanctions. Sanctions, c'est arbitraire. C'est-à-dire, si on fait des choses qui ne sont pas bon, il faut punir. Il y a la loi pour ça. Mais elle n'a pas fait notre transparence. Personne ne va connaître pour qui ça a été sanctionné. Et tel. Et puis, deuxièmement, il vient montrer une sorte de dépendance de pays à sur tout plan. C'est-à-dire que si les citoyens font des choses qu'ils ne peuvent pas faire, il y a la loi pays à qui punit, il faudrait-il que pays à ait une capacité pour poursuivre les citoyens ça, et puis condamner pour ça le fait pas bon. Mais il y a des fois où pas connaître qui les sanctionne. Son bagaille émotionnel, son bagaille personnel et cap régler qui les sanctions réelles et puis met en confusion dans le pays qui peut être même capable de déstabiliser le pays en quelque sorte. Merci M. Paul, nous allons prendre pause et puis nous retournons tout de suite après. Il y a des questions pertinentes, mais il y a des sujets intéressants que nous allons aborder avec vous là, nous retourner. Encore une fois, merci pour disponibilité à Métropole. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Evans Paul, ancien premier ministre et leader de l'organisation Vivre Ensemble, c'est ça? Vivre Ensemble, non, son bagage qui est très controversé, oui, qu'on est. Bon, donc, par contre, nous sommes obligés de changer lui et pour aller au l'autre genre, pour passer le cas créé à. Les cas prêtés à confusion, effectivement. En tout cas, vous êtes responsable de l'organisation. On a parlé de ça, parce que vous bien retrouvé par l'intérêt, ça va clarifier. Merci. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Evans Paul est l'invité de ce matin. Avant pause là, M. Paul nous a parlé de leader Kidla et puis responsable organisation Vivre Ensemble. Vous avez dit que par rapport à la confusion que bah, ça a créé, prêté, faut-il bien que nous avons été mis au point sur lui? Oui, mis au point parce que moi, participer à la création Centre Vivre Ensemble, c'est vivre depuis 2017. Mais ce n'est pas moi-même qui viens avec le concept Vivre Ensemble. C'est un concept universel qui promouvoir cohésion sociale, harmonie sociale, la paix publique, etc. Et puis, brusquement, il y a des groupes de gangs qui relaient l'organisation Vivre Ensemble. Mais même le bon sens, même si tu apprends mot pour mot, Vivre Ensemble veut dire respect, Vivre Ensemble veut dire solidarité,
vivre ensemble vle di la paix qui fait l'on moun faut bagaille li vivre ensemble et puis l'a tuer moun l'a kidnapper moun l'a simer la terre c'est contraire à vivre ensemble non? C'est même genre avec la philosophie chrétienne yon moun dit c'est chrétien et puis tout ça l'a fait contraire à philosophie chrétienne c'est même genre avec démocratie moun nan di l'a fait démocratie puis tout comportement contraire à principe démocratique. Il va d'accord avec alternance, il va d'accord avec majorité à ces peuples, même peuple lié. Exactement, qui fait gain ça gain un mot que les galvauder, tant que moun nan prend moi mais l'a utilisé moi mais l'a fait le contraire de ça moi. Il fait affaire parle. Il fait affaire parle avec moi. Et ça capable dérouter en pile monde et puis ça contribue dans mettre confusion. Qui fait c'est pas vivre ensemble qui pas bon vivre ensemble dans son bon bagay faut vivre ensemble nous vivons ensemble avec madame nous avec famille nous avec petite nous dans société nous pas cap changer vivre ensemble son bon bagay faut nous vivre ensemble faut nous vivre bien ensemble faut nous bien vivre ensemble mais soit habitué de vivre ensemble non pour faire bagay qui pas bon pour semer la terre ou pas dans vivre ensemble qui fait là c'est préciser pour nous préciser ça vivre ensemble non au contraire c'est un bon bagaille si moun ki gen zam nan men yo adopter principe vivre ensemble y a comprendre principe vivre ensemble pas gen tuer moun la dan pas gen kidnapper moun la dan pas gen bouler et marcher la dan pas gen bouler bibliothèque la gen pas gen bouler l'école la dan pas gen attaquer l'hôpital la dan c'est contraire oui mais ça c'est définition peut-être pas ou même moun sa moun ki a utilisé l'un yo capable vraiment konn sa yo vle di c'est peut-être vivre ensemble entre yo c'est entre yo les gangs mais son concept yo pa créé ou pa ka changer moi m pa ka prend mon dieu ou bien non dieu et puis me dit ça me bleu avec lui me fait le faire ça me bleu m prend média me fait ça me bleu m prend nouvelle me fait m'prend amour me fait ça me bleu avec lui m prend bonté et puis me fait le tourner méchanceté elle me bagarre pour un bagarre et puis me fait le contraire de sa bagarre là veut dire alors je dis à moi quoi que nous besoin un véritable vivre ensemble dans pays mais vivre ensemble là il y a un principe là il y a besoin la paix sociale il y a besoin harmonie sociale il y a besoin progrès social mais pensez monsieur Paul au grand pile travail pour ta fait parce que après 30 40 ans 50 ans Léo dit Evans Paul, tu as dirigé Vivre Ensemble, alors que parallèlement, tu as eu l'autre Vivre Ensemble, qui a eu l'autre activité, ou pas quoi que petit ou qu'a obligé poser question, ne qui ça grand papa m'a dit là. Mais c'est même gens où tu es capable de gagner un monde qui est un pasteur, qui fait un mauvais bagaille, ou non. Au nom du Christ, au nom de Dieu. Mais ça n'a pas retiré l'essence de la philosophie chrétienne. Dans tout l'autre pasteur qui a fait bon bagay, il y a une dérive. Les gens qui pourraient vivre ensemble pour faire des ordres, pour faire des crimes, c'est une dérive qu'il y a fait. Mais vrai vivre ensemble, ce n'est pas mission. Ça. Alors on te dit que c'est vivre, centre vivre ensemble. Mais pas qu'à la guerre vivre ensemble, non, parce que les gens qui prennent pour faire des ordres, c'est pour nous mettre vivre ensemble dans une vraie dimension. C'est pour nous faire appliquer la philosophie vivre ensemble. Selon ça, vivre ensemble, charrier comme principe moral, comme principe de solidarité, comme principe de paix. Alors, son message, nous tout lancer, bah, yo, yo capable d'entrer dans vivre ensemble. Tout. Vivre ensemble, c'est pas pour moi. Vivre ensemble, c'est pour eux tout. Mais ça y a fait dans vivre ensemble, pas correspondre à vivre ensemble. Pas gagner tout le monde, pas gagner battre le monde, pas gagner voler faire le monde, pas gagner craser l'école. Tout ça y a fait toute la journée qui pas bon yo. Cap mettez mais pas que tout y a la police là dedans. C'est pas ça que vivre ensemble. Vivre ensemble veut dire justement nous chercher l'harmonisation. Yeah. Et on respecte l'autre. Premier principe vivre ensemble, c'est respecter la vie. Monsieur Paul, Haïti a fait expérience, a fait une expérience nouvelle sous plan gouvernance. Jodi a gagné un CPT qui cohabitait. Pour former un exécutif, yo cohabiter avec la primature. Quelques jours, quelques semaines, papa en pile évidemment, après structure ça est installée. Comment Evans Paul, qui lui-même
faire un pile temps à goumen pour bagaille changer. T'es plus habitué avec yon président et yon premier ministre, évidemment une expérience qui commençait depuis 86 87. Comment ouais expérience ça? Moi premier ministre nous t'ai c'était Maître Marcel Célestin sous sous Maniga. Oui, oui. Maniga qui était même si yo gagne à revoir sous façon de lui, mais quand même, c'était monde qui était premier, c'était première élection qui était faite après le départ de Jean-Claude Duvalier. Cette cohabitation, comment comprendre l'expérience? Est-ce que quoi la continue marcher jusqu'à le nouveau événement élection, ou bien est-ce que quoi que sont initiatives qui vouées à l'échec? Maintenant, faut qu'on prenne ça avec pincette et gagner dans le pouvoir exécutif. Exécutif là, deux instances. Même j'en ai un pouvoir législatif là, il y a deux instances, il y a le Sénat de la République et la Chambre des députés. Pouvoir exécutif là, il y a d'un côté la présidence de la République et la primature. Mais nous vivons en réalité, côté à l'intérieur de la présidence, il y a une cohabitation. Parce que cette histoire de présidence collégiale, nous expérimentons déjà et le Pajam baille bon résultat. Mm-hmm. Plus récemment, c'est en 1956, nous avons un gouvernement collégial d'environ 13 mondes qui était duré 41 jours. Et en 1986, première version CNG a gagné 6 mondes là-dedans. C'est une forme de gouvernement collégial, il n'est tellement pas de camaché. Il était dur environ 41 jours tout, mm-hmm. et il était venu changer en triumvirat, c'était trois mondes. En général, le pouvoir est symbolisé par un monde qui a une délégation agit pour la collectivité. Mm-hmm. Qui fait expérience de une présidence neuf mondes extrêmement complexe, li alourdit possibilité pour prendre décision. Parce que chaque décision pour le faire objet d'une négociation, etc. On paye qui charge urgence. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Cependant, comme c'est voir ça qui choisit, et nous ne pouvons pas mettre bâton en rouille, nous ne pouvons pas le déstabiliser, nous avons souhaité que nous comprenions la complexité de la situation. Yo comprennent que c'est chai qui soudo yo et yo prend mesure responsabilité yo pour yo agir dans sens intérêt peuple là veiller pour yo pas prisonnier de rivalité gagne entre yo de divergence gagne entre yo pour affecter crise là qui déjà grave. Moi même son message comme ça me lancer pas trouver son bon bagaille pour nous gon en présidence à 9 membres. Même pas trouver tout l'État mandé pour montrer nos batailles contre présidence pour le moment. Parce que c'est pas grand-rien pour vous mettre contre lui, je veux dire. Mm-hmm. C'est la même chose pour le premier ministre Gary Conny. Vous pensez que dans ça nous dit là, je alors, excusez-moi, premier challenge, premier défi, c'est pour l'équipe du Conseil arriver Antonio pour gérer le pouvoir en toute harmonie. Dans le sens intérêt peuple là, chercher cohésion entre eux. Parce que c'est une grosse bataille. Ok, mais là, au fini, il y a un autre acteur en face qui est le premier ministre. Il n'est pas en face, il est complémentaire. Eh bien, d'accord, pas de problème. Parce que le premier ministre, ça va dans en face. Parce que dans la réalité, pouvoir, j'en le fait là, il y a retiré quelques membres dans la co-présidence là. Parce que dans la question présidence à vie, omnipotente, etc., dans la Constitution, elle nous fait exécutif la gagner, deux chefs la donner, le président qui est le chef de l'État et le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais frontière entre les deux très petits. Mm-hmm. C'est ça que fait, c'est les deux ensemble qui dirigent l'État, c'est les deux ensemble. Le président préside le Conseil des ministres. Assisté du premier ministre, parce que toute action premier ministre là a fait, faut le contresigner par président, la monte mon cabinet ministériel, faut président ba adhésion li, la nomme mon directeur général, faut président ba adhésion li, et seul champ président gagné, t'as capable de même mise sous lit, c'est le champ
diplomatique. Même là encore, il y a l'implication du Premier ministre. Alors, c'est l'effort de cohabitation. C'est effort. C'est un jeu à se faire effort pour nous vivre ensemble. Mm-hmm. Pour nous vivre ensemble malgré divergence. Mm-hmm. Et c'est ça, convergence de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Chaque mission par eux, mais toute mission ça doit concorder au service de la collectivité, au service de la nation. Alors là, je pense que nous avons un système compliqué, mais si nous prenons conscience de complications, il va demander plus d'efforts pour nous joindre harmonisation dans le sens intérêt collectivité à peuple haïtien. Entendez, un peu le monde dit que en plus du fait qu'Haïti pas souverain, mais mon avis était quoi que en Haïti et ceci depuis plusieurs années, c'est ça internationalement décidé, c'est ça que fait. Est-ce que au même ou d'accord avec ça? Est-ce qu'on partage point de vue ça? Tout à l'heure, moi, je te parlais de restaurer l'autorité de l'État, mais m'ajouter restaurer l'autorité et la dignité de l'État. Mm-hmm. Oui, son problème. Donc ça veut dire que ou admettre que nous pas dignes encore, nous suspendons souverain. Non, nous pas capables de souveraineté parce que nous pas mettre tête nous dans situation puis respecter notre. N'a pas gros marron brage nous de temps en temps n'importe petit problème nous m'en deviner de nous et on a dénoncé l'autre, nous pas capable pour président la caille nous sécurité. Les moun fin touye président, c'est justice en l'autre pays qui agi. N'a pas gardé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça va le faire 3 ans. Oui. 7 juillet. Oui, ça va le faire 3 ans. Mm-hmm. Pourquoi j'aime un moun qui est condamné en Haïti? Mais aux États-Unis, il y a un monde qui est condamné, etc. Et, ça, mais, donc, tout ça, on a invité le monde, convoqué en Haïti, toutes ces farces, toutes ces parodies. C'est procédure. C'est procédure, mais faiblesse l'État fait que l'État n'a pas de capacité pour faire un procès comme ça. Et c'est là le problème. Qui fait que l'autre État lui-même, dans l'autre pays, pour raisons diverses, comme il y a des gens qui étaient impliqués là-dedans, etc. Comme ils sont une sorte de tuteur. Ils prennent un dossier en main. Bon, il y a des gens qui sont condamnés, mais il y a d'autres gens qui sont en prison en Haïti. Il y a des gens qui sont censés évader. Oui. Bon, son gros désordre. On a parlé de restauration de l'autorité de l'État. C'est parce que nous, d'accord, nous constatons, nous vivons l'effondrement de l'État. Mm-hmm. Et si yon bagay qui doit adresser fondamentalement la transition, c'est question ça. Comment moun gon l'État qui grand moun tête li? Mm-hmm. Mwen doit pas bon, mba grand pile kob, même grand moun tête mwen, et mwen fè effort pour moun respecter. Mwen comporte pour respecter. C'est ça. Alors, point ça, pas nan questionnaire, ou bien pas nan liste de points que mwen pou m'aborder avec vous, mais comme vous venez sous lit, qui ça dure l'entendez un juge fédéral a exigé des monde qui condamné dans assassinat président Jovenel Moïse pour payer Martine Moïse l'ancienne première dame ainsi que premier petit président Joël Impôt pour bailler l'argent qui j'en comprends ça ou même qui j'ont réagi leur après nouvelle là ça étonné même mettre dans le même registre que pays dépendant. Mais mon question aussi sensible et li a traité pour l'autre l'État. Je ne sais pas quelle provision légale que les États-Unis capables de décider ça, même si c'est au détriment d'un groupe de citoyens, au profit de l'autre citoyen, en fonction de quoi? Pas c'est avisé sous détail ça. Mm-hmm. Mais il fait tic dans tête point. Il fait tic dans tête point. Et il montre tout que l'État pays est totalement défaillant. Mm-hmm. Si il y a un problème, il faut aller chercher justice pour le problème qui passe dans le pays à l'étranger. Mm-hmm. Parce que le président Jovenel Moïse a été assassiné en Haïti. Même si il y a une complicité étrangère. Parce que si il y a un crime qui est fait aux États-Unis, bon, même si il y a
implication étrangère, mais c'est l'État américain qui a pris la question en main. On a besoin de quoi finalement, M. Paul? Parce que tout le bagage, non, c'est... Bon, on va lui dire que nous courons bon petit monde, mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays en changer véritablement? Le gouvernement, non, c'est l'international qui a décidé pour nous. Justice, même bagaille. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous besoin d'une autre classe d'hommes, d'hommes politiques, n'en déplaise à vous, M. Paul, qui fait partie de la catégorie? Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays pour nous reconquérir, effectivement, arriver à restaurer dignité, souveraineté, autorité, l'État? De quoi on a besoin, M. Paul? En un mot, cohésion sociale. Comment y arriver? Bon, c'est tout en construction. Son construction, parce que son bagage nous perdu depuis l'assassinat de Dessalines. Parce que l'on pays où fait fond l'État, et environ 2 ans après, où tu es chef l'État, et pour tomber dans une débandade depuis lors. Une débandade, nous avons un problème, nous peau claire, nous peau rouge. Et puis, nous avons déstabilisé pour peut-être nous avons mal l'ombrage. Nous. Parce que nous n'avons pas de répit. Il y a des petits moments de tempo. Mais en général, depuis 1804, son pays. Oui, mais c'est sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille. Ça fait sorti dans l'orbeille. Quand même, quand même. Parce que l'on parle de classe d'hommes politiques. Ce n'est pas la même classe d'hommes politiques qui était là 50 ans avant. 100 ans après, tout le monde mortel. Oui. Pour qui ça nous toujours reposé même si ça me parle du là. Au-delà de personnes, au-delà de générations, c'est tout en, en continuité historique malveillante. Oui, mais ça fait plus de 200 ans. 200 ans, mais c'est ça qu'on a gagné. On recule, c'est ça qui fait conférence nationale qui a fait, pour nous garder, pour nous identifier ça, qui ça nous fait, nous pas fait, nous te fait mal, qui ça pour nous suspendre fait mal. Pour nous prendre l'autre direction et pour nous quitter l'autre directive pour l'autre génération qui va venir. Oui. Parce que 200 ans après, nous toujours répéter c'est même côté à nous. Et maintenant, l'instabilité est chronique. L'instabilité chronique. Chez manger chez, il y en a déchiré l'autre tour, il y en a baillé l'autre couteau dans le dos. Et nous avons un problème. Est-ce que nous avons un problème de chromosome vraiment? Moi-même, pas privé là. Je pense que, ma pour exemple simple, même Haïtien qui en Haïti, il arrive dans l'autre environnement, dans l'autre pays, il comporte dans l'autre gens. Moi-même, moi, quand je voyage, et puis, ma pour exemple simple, n'importe Miami, et m'apporte Port-au-Prince. Et puis, je regarde, moi, et Haïtien qui a voyagé, tout le monde en ligne, bien propre, bah, comme ça, il est passé sous comptoir, il a enregistré bagage. Après ça, ils passent dans la sécurité, ils vont monter à l'avion, ils prennent les lieux normalement. Quand ils descendent dans les portes ici, même les gens qui sont disciplinés, comportés correctement, dans les portes Miami, où ils ont l'autre gens, ils ont couru passer devant l'autre, ça prend les mallettes, les bavis, les tags là. C'est le comportement qui est gagné. Même les gens, ce gars-là qui est éduqué, les gens qui ont un comportement correct. C'est comme si l'arrivé là, il dit bon, là son savant nié et mon n'a pensé que il est capable de faire ça le vle, et malheureusement, c'est ça nous vivre et qui mettait nous dans ambiance ça, une ambiance de responsabilité individuelle tout parce que chaque monde pensait que son l'autre monde qui pour faire bagarre à marcher, nous moi-même moi pas concerné. Monde politique c'est dans le pays est sorti et monde politique c'est produit pays a oui. Monde ça pape là, pour aller l'autre qui va le venir encore. Son oui, lit pour nous tracer. Mais ça me le dit, M. Paul, c'est que si nous faisons plus de 200 ans à faire le constat, si je dis, nous n'avons pas dit stop, nous n'avons pas dit halt là, il y a une possibilité pour nous faire et 300, 400 ans, même genre, côté que c'est. Je connais son réflexe de bambin, de dépendance. Que nous toujours gagnons par rapport à l'international, c'est nous-mêmes qui pas voulu entendre nous, c'est cohésion qui était un gros défi pour nous et puis ça continue, les recycler, nous recommencer de temps en temps, pas gain, nous pas arriver créer la vie véritablement, créer la vie, créer la paix, créer stabilité, alors que nos enfants qui grandissent attendent
beaucoup de nous. Mais c'est question projet pays. Le projet pays a de Chita sous famille, n'a pas tout n'en qu'on soit fait famille. Et pour Chita sous fonctionnement société, dans l'école, l'ab Chita tout dans l'église.